Bonjour et bienvenue, nous sommes repartis. Dredge. Alors on a des choses à faire. On a des choses. Il me faut mes lunettes parce que je vais avoir les yeux qui saignent, c'est embêtant. On a des choses à faire. On doit pimper en fait notre boat. On doit faire ça. On doit améliorer en fait le dispositif d'échantillonnage. Qui est là. Qui est celui-là. Donc il nous faut une pièce de recherche. Comme un idiot, hein, je les ai utilisées pour autre chose. Qui est vraiment genre inutile pour nous. Hein, j'ai fait là-dedans. C'était pour débloquer le dernier moteur. Mais voilà, du coup maintenant on en a besoin, c'est bien. Et du coup il nous faut donc un point de recherche. Et bah il faut trouver un point de recherche, voilà, tout simplement. Donc elle, je crois qu'elle vend rien du tout pour le moment. Elle vend plus de points de recherche. Donc on est piégé. Voilà, on peut reset le jeu, on a fini. Non, je déconne. On va partir à l'aventure. On va partir à l'aventure. Donc là, il y a des îles. Donc du coup, c'est au... C'est à l'est de nous. Let's go. C'est à l'est. Il est quelle heure ici, là ? C'est à l'est, donc on va se balader. On va se balader, on va voir si on peut récupérer des nouvelles choses. Ça. Surtout des points de recherche évidemment, mais si on peut récupérer aussi autre chose. Je me demande s'il faut passer avec les filets sur des points. Je crois pas, hein. Je crois que c'est juste aléatoire en fait. Oui, non, c'est complètement aléatoire. Ça va. J'aime bien la vitesse de notre bateau maintenant. Oh, c'est quoi ça? La vitesse de notre bateau est très très potable en fait, ça c'est cool. Regarde s'il n'y a pas... Ah! C'est quoi comme comme truc, ça? Quatre formes représentant d'énormes poissons sont gravées dessus. C'est quoi, ça? C'est des requins. Ah, c'est des requins. Ah, on n'a pas les... Ça, c'est les trucs que font marin, ça. Okay. Ça, c'est les fonds marins. C'est l'océan. Du coup, il nous faudrait l'océan. Il faudrait qu'on enlève le filet. On peut faire ça, histoire de... On peut faire ça. Abyss. C'est quoi ça? Poisson ogre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour vite fait pour aller changer le truc. Comme j'ai dit, en théorie, on n'a pas vraiment trop besoin du filet. Le filet, c'est surtout du... Enfin, si. On avait à un moment besoin du filet pour prendre quelques trucs. Mais c'est tout. Maintenant, on en a plus vraiment... Techniquement, on n'en a plus besoin. Parce que le filet, il est pas... Il fait pas... quelque chose qu'on peut pas faire autrement en fait pour le moment. Et vu qu'on part un peu loin, je me dis tiens, pourquoi pas très bien, ça on met dans la réserve. Réserve. Du coup oui, on va plutôt très bien. On va faire ça. Oui, parce que vu qu'on part loin. Mais ouais, on commence à avoir beaucoup de choses. On va dormir. C'est un peu long, mais... Ciao. Donc là, on est... Donc on a récupéré de nouveaux poissons. Un truc bien dégueulasse, encore une fois, comme d'habitude. Donc là, on a plein de trucs. Ok, let's go. Donc on repart, on va essayer de trouver du coup assez de sortes de requins là. Et les mettre. Pourquoi? Parce que ça va sûrement nous donner un objet en fait assez, assez spécial, j'imagine. Enfin, j'espère en tout cas. Ça, c'en est... Ah non, je crois pas que ce soit ça. Oh mon dieu, comment on le place celui-là?
Ah ouais! Non mais c'est... Mais attends, c'est pas ça. C'est pas cela. Non, c'est pas cela. Non, nous c'est cela en... Genre comme ça, là. Je crois. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Là, peut-être? Non, ça c'est des trucs d'abysse, ça. Je peux voir un peu la gueule que ça. Un dragonnet imberbe. C'était dégueulasse, c'est mieux. Dis-moi, c'est bien? Encore les trucs dégueulasses. Est-ce que je peux... Pas vraiment. Là-bas, on a un port. On va se balader. Que si je fais que des allers-retours comme ça tout le temps... C'est quoi ça? Bonjour. Ça a l'air d'être tout détruit. Campement. Ouh, qu'est-ce qui se passe? À côté du quai se trouve un campement abandonné. D'étranges symboles sont dessinés dans le sable que vous perdez. Fouillez le campement. Un drap rugueux et usé gît au pied de support en bois. Il n'a rien de remarquable. Examinez les symboles. Les symboles s'étendent sur toute la longueur du campement. Tournant d'un côté et de l'autre, certains sont regroupés comme pour former des mots. Les empreintes de pas récentes encerclent chaque symbole. Le dernier symbole semble avoir été tracé de façon précipitée. Il paraît inachevé. Examinez le dernier symbole. Un morceau de métal scintille dans le sable. Okay. Inspectez les empreintes de pas. La personne qui a laissé les empreintes était à pieds nus. Les empreintes sont longues et larges, ce qui peut indiquer que ce sont celles d'un homme. Mais vous n'y connaissez pas grand chose en empreintes. On se casse. Peu étrange. Levez l'entrée. Levez l'ancre. C'est quoi ça? Ah, c'est encore un mec à faim. Silhouette encapuchonnée. Sa tunique dorée et sale recouvre tout son corps. Pêcheur des profondeurs, rappelle, réponds. Sa voix gargouille comme si les poumons étaient remplis de liquide. Ah, une réponse. Si tu peux, tiens le parchemin. Ok. On dirait un Vivano rouge. Vivano rouge. Je connais les Vivano rouges. Je crois. Ok, d'accord. Ah putain, on le voit de super loin le phare. C'est bien ça. Alors du coup, nous on est là. Ah, j'ai envie d'aller à Morte Flamme là. Non, c'est pas Morte Flamme. À Souffle-Vent, ça n'a strictement rien à voir. J'ai envie d'aller à Souffle-Vent pour me vider l'inventaire. En fait. Il va faire nuit en plus. Et par contre, il nous faut des requins. Ah non, c'est pas elle, c'est pas là qui prennent le poisson. Là. Hop. Ça, on range. 292. Dormir. Ah, on dort tôt, hein. Bon. J'avoue qu'on dort tôt. Il y a un truc là. Merde.
nul. Le Saint-Pierre. T'avais pas des... C'est quoi tes poissons que tu voulais? Ouais non, j'ai ça en fait. Let's go. Donc on va retourner où est-ce qu'on était, parce que je voudrais faire le truc spécial là. Mais j'ai peur que... On trouve plus d'emplacement. Ah c'est pas... Non c'est pas cela. Non, ça c'est du saumon royal, on s'en fout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh. C'est quoi ça? Vous arrêtez près d'une épave dans la coque, vous êtes familière. Ah, on l'a déjà fait, je crois, ça là. Ouais, ça fait ça. Je n'ai rien dit. Alors attends, que je me perde pas. C'est trop là-bas. Donc ouais, il faut trouver des requins. Ok. Ah, c'est maintenant qu'on en trouve. Et je sais plus honnêtement où ils étaient. Donc, c'est un peu le problème. Bleu, c'est très bien. Attends, là il y a un truc. L'étrange coffre est à moitié recouvert de sable. Ouh, on a une carte. C'est quoi ça? Ouais, non, là on est de retourner. Ouais, non, mais c'est là, mais. Par contre, il va commencer à faire nuit. J'imagine que c'est pas très loin. Ça non. Ça non. Ah, c'est embêtant parce que on en avait trouvé. Hein. On en avait trouvé. Pêcher ça. Ça va nous faire de l'argent. Très bien. Bon, là on tourne un peu en rond. Hein. Si jamais je trouve pas que... On va juste partir en fait. Enfin on va juste continuer notre aventure. Parce que bon... Bah, je voudrais un peu avancer dans l'histoire. Enfin pas dans l'histoire mais je voudrais découvrir d'autres choses. Donc on va continuer à fouiller les îles qu'on a vues. Peut-être que si on va vers là-bas, là... Ah! Non, ça c'est les... Non. Pas intéressant. C'est quoi ça? Bleu.
truc là. C'est un poisson des abysses, il va être horrible. L'autre qu'on récupère, dragonnet moribond. Voilà. C'est ce que je disais. On va faire le tour de cette île. Donc, c'est pas ça les machins rouges ? Si, c'est ça. C'est ça ce qu'il veut le mec ? Ça doit être ça. Elle déchire la gorge du poisson et lui arrache le cœur. Celui-ci est dans sa bouche avant même que vous réalisiez ce qui se passe. Un autre, un sacrifice. Poisson ogre. Poisson ogre, on en a vu aussi, pas loin. Enfin, pas loin. On en a vu. Maintenant, pour me rappeler où ils étaient, ça c'est une autre histoire. On a quoi ? Oh ! Les poissons ogres, c'est ça les poissons ogres. Enfin, je crois. Non. C'est pas ça. Les poissons ogres, c'est des trucs avec des têtes dégueulasses. Qui a juste popé devant moi, j'ai pas. Je vais être honnête, j'ai pas trop essayé de. De l'esquiver non plus. Alors, qu'est-ce que ça déjà qu'on répare ? C'est bien. Et donc, nous on veut ça. Tada ! Recherche terminée, ligne sans fond, dispo dans le magasin. Très bien. Alors. Abyss et grand fond. Alors nous on n'a pas grand fond pour le moment. Pas grand fond. Donc ça on peut le placer. Donc ça c'est un 3 et un 1 à gauche. Donc on peut le mettre comme ça. Et après quand on fera l'amélioration, on remettra la bobine à tendons, je pense. Ouais. Ça, on n'en a plus besoin. Réserve. Oh merde. Ah. Ah. Vendre. Alors attends, tu vas me vendre aussi des trucs comme ça parce que. Enfin, jeter même. J'aurais dû y penser. Alors ça, réserve pour le moment. Voilà, nickel. Donc il nous faut la dernière mise à jour là. Enfin la dernière, c'est pas la dernière, mais. J'en ai une. Ça. Comme ça, voilà. On aura un carré là en plus. Donc on peut remettre le fil. Et on sera bon. Mais il faut à chaque fois un rouleau de tissu qu'on n'arrive plus à trouver. On n'arrive plus à trouver de tissu, c'est bien. Mais en tout cas, maintenant, on peut avancer dans l'histoire. Donc, j'ai envie de dire... pourquoi pas? Alors, j'ai pêché un vinaigre, je vais apporter à l'individu. Je dois pêcher un poisson. Okay. Récupérer tous les échantillons. Donc, tout ça, on peut les récupérer en théorie, maintenant. Je crois bien. On a plein de trucs qu'on peut plus pêcher. Mais bon, c'est pas grave. Alors, fais voir la carte. Ouais, ligne droite. Oh, ça va, ça se passe bien au final.
ça se passe très bien. C'est pas ça. Abyss. Attends, avec quand une forme s'aligne pour monter plus vite. Ah! Oh mon dieu. Requin fantôme. Intéressant. C'est pas des requins fantômes qui veulent, hein. Étonnerait, hein. Non, non, c'est pas... C'est pas des requins fantômes. Quoique. Non, c'est pas des requins fantômes, ça. Non, c'est ceux qui... Ils ont une forme bizarre, là. Enfin, ils ont une forme bizarre. En tout cas, pour le quadrillage, c'est très très chiant à les mettre à chaque fois. On peut en prendre genre deux maximum. Alors, bah go activer le bidule. Et go pêche. Alors, générateur. Le générateur de pression, vous êtes invité toujours pour enlever le générateur de machine. Oui. Ah, va-t'en, va-t'en, créature diabolique. Grand fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Un amphipode géant. Ça relique découverte. Oh, on a récupéré la relique. Non, certes, il bijou. Okay, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais ça, on l'a déjà. Ça. Ok, poisson limace. Dégueulasse. Safe là. Alors attends, quête. Alors ascension sur ça, récupérer. Amphipode géant, poisson limace. Ok, on en a deux. On a deux des quatre. On a 2 des 4, c'est déjà ça. Chercheuse, bonjour. Alors, on a ça. Ah, mais on avait ça. Ça, je sais pas ça. Mais on l'avait celui-là. Mince. Ok, très bien. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ça. Hop là. Très bien. Bonjour. Vous entrez et placez l'anneau incrusté d'un bijou sur une table devant le collectionneur. Celui-ci écarquille les yeux. Ah, nous faisons de fantastiques progrès. Et je sais que vous vous dites... Un objet pareil rapporterait une fortune aux enchères, mais pour nous, sa valeur transcende son prix. Bref, vous méritez une récompense. Ah, il va encore faire une incantation. Bannissement. Vous entendez un grognement qui grésille à vos oreilles. Soudain, votre vision se brouille et vos oreilles se débouchent. Ferme le livre. Nous devons continuer à chercher.
Alors, un endroit intéressant, j'imagine que toutes sortes de détritus ont été avalés par la boue limoneuse des canaux de la rive Retorse. Ça vaut le coup d'aller vérifier. Merci. Alors vas-y, qu'est-ce que tu m'as fait encore? Alors, les mots de bannissement offrent une protection temporaire contre la plupart des choses. S'ils sont prononcés assez vite, ils peuvent servir à se défendre. Choisissez votre moment judicieusement. Plus les mots sont prononcés, plus ils sont compris. Ok, c'est bizarre de dire ça, d'accord. Donc on a une protection. Ah, vous pensez que le machin là qui nous pourchasse, qui fait genre c'est un bateau, c'est pas lui qu'il faut pêcher? Alors, bannissement. Les mots qui bannissent peuvent éloigner le mal pour un temps. Ouh! Une sorte de flair en fait. Oh, c'est sympa. Ouh, par contre, ça fait du bruit. Ah ouais, c'est... Ah, mais ça reste pas très longtemps, quoi. Ok, donc... on a ça à vendre. Ah, oh, on a plein de bijoux aussi à vendre. Ça. Okay. Bon, ben c'est déjà mieux. C'est déjà un peu mieux. Ce qu'on a vite fait, juste pour passer le temps. Gardien du phare s'approche de vous. Tu as sûrement dû faire le tour des îles depuis le temps. As-tu trouvé quelque chose ce que tu cherchais? Presque. Elle change de posture et s'appuie sur son bâton, tout son poids. Comment tu peux en avoir la certitude? La dernière fois, tu croyais savoir. Regarde ce qui s'est passé. Elle se tourne vers vous, secoue la tête et marmonne, puis reprend la direction du phare. Okay. Quoi, je suis déjà venu ici, c'est ça? Donc on a toujours du tissu. C'est quoi ça? Dispositif incandescent. Ça tue, il faut 3 emplacements. Oh, ça tue. Terrible. Qu'est-ce qu'on a là? On a des trucs, mais c'est les côtes. J'ai pas de... Bon, de toute façon, nous, il faut du tissu, surtout. Alors, la pointe d'acier. Si on allait faire un tour là-dedans, pour voir s'il n'y a pas du tissu, vite fait. Je crois que c'est... Je crois que c'est cela qu'il me faut. C'est quoi, ça? Je crois que c'est cela. Les requins qu'il nous faut, là, pour l'autre. Je crois que c'est ça. Coque en bois à trouver solide à briser sur le rivage. Alors, vous approchez un peu et parvenez à vous hisser derrière l'épave. Bah, c'est parfait, on a tout ce qu'il nous faut. Nickel. Nickel, nickel, go, 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 go. Alors, on va d'abord vendre le bijou, là. Okay, cool. Ah ben là, j'avoue que ça se passe bien, hein. On fait... C'est bien parce qu'on peut enchaîner les choses, on tourne pas en rond pendant 7 ans et tout ça, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Tout va assez vite dans le jeu.
très très cool. Alors, ça. Ding. Hop. 3 espans pour canne à pêche. Et là, c'est quoi? Ah bah du coup, c'est bien parce qu'on a pas mal de matos. Alors, attends. Attends, on peut avoir accès à, directement à la réserve quand je fais ça? Oui, on peut. Oui, oui, on peut. Comme d'habitude, c'est le tissu. C'est bien. Comment on commence à avoir l'habitude. Hein. Donc 3 tissus et on est bon. Et c'est combien? C'est 800. On a 2200, oh la vache. Je pense que niveau argent, on est bon. Alors maintenant, moi je peux... Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, côte et au fond. Okay. Donc, on remet ça. Comment on fait? Vers la cale... Non, ah, attendez. Hop. La réserve. Hop. Donc, comme ça. Voilà, donc là, on a abysse grand fond, côte au fond. Et maintenant, on a océan. Et de côté, on a un filet si jamais on en a besoin. Ouais, si jamais on en a besoin. Donc là, on est très très bon. On est très très bingo. On est très très bingo. C'est quoi ça? Abysse, grand fond et océan. Ouh, ça c'est pas mal ça. Ouh, ça m'intéresse parce que là ce qui nous pose problème dans notre bateau, c'est ça en fait, c'est la ligne hydraulique. Ça prend 4 cases et juste seulement pour l'océan. Là avec tout ça on a 4 choses, on a 4 variantes. Donc je voudrais bien prendre océan. Océan, abysse, grand fond, donc ça veut dire qu'on peut enlever l'autre. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va garder les points de toute façon pour le moment, parce qu'on en a que un. Mais ouais, je pense que ça, ça va être utile pour la place sur le bateau. Là, on commence quand même à être un peu blindé, en fait, niveau place. On commence un tout petit peu à être blindé. Bon, très bien. Maintenant, on peut repêcher ça. Là, il y a des... Ah, voilà. Ok. Truc à triple tête, là. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je pense que c'est au début. Ouais, voilà. Oh non, anguille parasitée. De nombreuses formes scintillent et s'agitent dans sa cage thoracique, déformée. Le reste de son corps est ratatiné et asséché. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Ça. J'ai envie de tester un truc. C'est de pêcher la nuit, aller voir le machin là qui rôde, là, le gros poisson. Là. Peut-être que maintenant on peut le repousser et je sais pas, le pêcher. Qu'est-ce qu'on a ? Ça là. Déjà on va prendre ça. Ouais, voilà. Genre ça là, il est où ? On peut voir un peu. Si on peut l'appeler. Il est là. Ok.
Il aime pas ça. Mais j'ai pas vu de moyen pour le pêcher en fait. Donc peut-être pas. Ah. Ah. Mes roues de défense. Par-dessus bord. Pardon, je m'énerve. Ouf, on passe. Donc c'est pas comme ça, c'est pas lui, j'imagine. Le maire pêcheur, qu'y a-t-il? Vous avez l'air perturbé, c'est le brouillard qui vous mine? C'est courant par ici. Ne oubliez pas, après une bonne nuit de sommeil, vous serez d'aplomb. Oh, pardon. Donc on a ça. 116. Des arcs d'énergie verte inconnue crépitent sur les écailles de ce poisson. Il s'agit de violemment, même plusieurs heures après avoir été pêché. Bon bah du coup on va partir, on va aller repêcher les... Un peu avec la tête bizarre là, la grosse tête. Ah par contre ça il m'en faut peut-être je pense. Je crois que c'est celui-là, le requin cuivre. Non ça m'étonnerait que ça soit celui-là en fait. Je sais pas exactement ce qu'elle demandait. On n'avait pas un requin qui ressemblait à ça? Genre pour la dalle là qui est là-dedans là. La pierre. Ça y est, on a le spécial. Mordeur. Poisson a des dents anormalement acérées entre lesquelles sont coincés des morceaux de petits poissons. La faim se lit dans ses yeux. On peut prendre les, tout ce qui est spéciaux en fait maintenant. Au lieu de se prendre la tête pour autre chose. Toi, tu voulais quoi? Je me rappelle plus. Quête terminée. What? J'ai pas fait attention. Quoi? Non. Attends, il meurt au bout d'un moment, les mecs? Non. Oh là là, c'est super. Oh. Faut qu'on aille voir l'autre, là. Voir s'il est toujours là. Ça c'est con si c'est des quêtes avec un temps. Alors toi tu veux un poisson ogre. Poisson ogre, est-ce que... poisson ogre. On peut pas... Il n'y a pas genre y écrire le nom. Ce serait bien ça. Parce que chercher comme ça, c'est un peu relou. Poisson ogre. Abyss? Non, c'est ça. Il y a ça, là. Je sais pas comment on trouve. Canne à pêche. Poisson. Attends.
peux décocher ça, voilà. Poisson ogre. Alors, bassin des astres. Abyss. Ok, ça marche. Bassin des astres, il est où de ce côté? Non, il est derrière nous. Il est dans la sud. Ouest plutôt. Ouest. Ouest. Oh, oh, oh. Ah, ça va m'embêter si le mec est déjà mort. J'arrive au bon endroit. C'est pas très bon si on ça. On va être en plein milieu de l'océan. On commence à faire nuit. Ouais, strictement rien. C'est ça, non? C'est ça. Ok. Alors maintenant, faut retrouver le mec. Ça, c'est une autre histoire, ça, encore. Je sais pas sur quelle île il était. Je me souviens plus. Ah, il est là. Notre sacrifice, oui. Elle porte le petit poisson à sa bouche et le mort à l'endroit du cœur. Ses lèvres entrouvertes révèlent une rangée de dents acérées. Une ouverture. Ça, c'est un crabe bleu. Pile de pêche avec des trucs de crabe. Oh là là, des machins de crabe. Non, t'es sérieux. C'est où le crabe bleu en plus? Ça, ça m'embête. Je voudrais bien refaire la quête, moi. Mince. Des crabes bleus. Oui, mais je sais pas. Bon, ça doit être ça. Des crabes bleus. On a déjà vu des crabes bleus, j'en sais rien moi. Océan, les crabes? Je vois pas de crabe, ou alors je suis teubé, mais... Il y a sûrement un moyen plus facile de vérifier où je dois faire, que je dois faire, parce que... À la moelle... Genre, je trouve pas les crabes, en fait. Ou alors je vais trop vite... Oui, ok, crabe. Ça c'est crabe vert, crabe violoniste. Ça. Falaise de souffle vent. Peut-être qu'il y a des crabes là-bas. Ok. Il y a des crabes, mais... Ok, on va aller au souffle vent. Donc à l'est. Saint-Pierre Furteur. Des formes tournoient dans ses yeux vitreux exorbités. Aveuglé par la lumière de la surface, il est cependant adapté aux fouilles en profondeur.
ferait un peu d'argent. C'est quoi ça? Vache quoi. Oh le... Ah ah, j'ai un scar de ouf que j'ai eu. Putain. Incroyable. Très bien. Alors, je voudrais les filets. Est-ce qu'on peut, on peut débloquer des meilleurs filets? Non, pas des filets, des casiers à crabe. Celui-là, on l'a pas débloqué. C'est un peu, concentre plus grande permet de plus de créatures. Je pense qu'on peut faire avec les filets normaux, hein. Ah, du coup, je les ai vendus, c'est bien. Ah. Ah. Du coup, il faut aller au pêcheur. Voilà, faut revenir en arrière. Que lui qui vend des filets. Je dirais autant avoir des meilleurs filets peut-être. Non. Non, pas des filets, des casiers, pardon. À chaque fois, je vais dire tout le temps la même chose. Genre là, durée 6 jours, rendement 2 par jour. Là, c'est 2 à 3 par jour. Là, c'est 2 par jour. Bah non, soit 2 ou 3 par jour, c'est bien. C'est juste que ça reste pas très longtemps. Non, c'est bien. Alors, faut voir. Oui, on a celui-là maintenant. 2 à 3 par jour. C'est quasi efficace. Mais efficace, c'est un truc qu'on a débloqué ou c'est un qu'on a... Non, mais c'est celui efficace. 2 à 3 par jour. Oui, oui, ok. Non, j'ai un junk. Oui, ça, c'est le truc de base qui nous donne. Et ça, c'est celui qu'on a débloqué avec les points. Ça marche. Donc... Ah ouais. Ah ouais, tu m'en donnes qu'un seul en fait. Ok, ça marche. Tu m'en donnes qu'un seul. Alors, à chaque fois, je vais devoir regarder la carte pour être sûr. Souffle-vent. Allons à son souffle-vent. Voir si on peut pas récupérer des crabes, des nouveaux crabes. C'est fun ce jeu. C'est fun, j'aime beaucoup. Alors... Hop. Et voilà. Du métal. Tissu? Non, métal. Chaque fois, je pense que c'est du tissu. Place, lui.
suis mauvais, hein. Oh, attendez. Là. Il y avait un truc des abysses, là. Le régalec. Oh mon dieu, t'es sans déconner. Comment je fais, moi? Là, c'est mort. Là. On a le régalec, c'est pas de la quête? C'est pas la chercheuse, elle veut pas un régalec. Non, c'est pas elle. Poisson rare. Régalec. Donc c'est la marchande ambulante. J'allais dire la marcheuse ambulante. C'est pas pareil. Faut lui vendre ou... Attends, faut lui parler. Poisson rare, tu veux que je trouve... J'ai trouvé un régalec. Cornuel, je vais l'ajouter à mes dossiers. Tiens, prends ça, sûr que tu trouveras une utilité. Attends, tu me l'as pas pris de l'inventaire? Tu me l'as pas pris de l'inventaire, cool. Je peux le vendre, ça veut dire... Ouh, qu'est-ce que c'est cher. Ok. Tiens, on a ça. On peut en prendre d'autres des... Bon, c'est peut-être un peu... Hein, peut-être un peu trop, là, non? C'est quoi ça? Un crabe décorateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Après s'être recouvert de détritus, cette créature ne ressemble guère à un crabe. C'est bizarre les crabes ici. Ah! Ah non, c'est nouveau, crabe rouge. Ma chair est très appréciée. D'accord. Nous, il nous faut quoi? Qu'est-ce qu'il voulait, l'autre? Non. Crabe bleu. Non, mais pas crabe bleu, pour le moment. Peu déçu. Après, peut-être que c'est pas là. Hein. Oh. Ça vaut pas cher, les crabes. Là, c'est peut-être pas là. Enfin, non, si, ça disait... Ouais, enfin, attends. Cyclopédie, crabe rouge. Ok. Donc... Ouais, ça, c'est les crabes qui nous manquaient, en fait. On fait voir d'autres crabes. Ça, le bassin des astres. Ouais, on va devoir aller au bassin des astres.
Oui, c'était un peu trop là, j'avoue. On a un peu trop de filets de pêche de crabe. Bon, au moins, c'est sûr que, bon, on aura le choix. Hein. Bon, ok, ligne droite. Plus jamais on te... Enfin, pour la pêche au crabe, là, on trouve des crabes, c'est sûr, avec autant de filets. On va pas s'arrêter parce que si l'autre va mourir de faim au bout d'un moment, c'est embêtant. Ah, ça m'embête là d'avoir loupé la quête. Ah, ça me... Ouais, ça me fait bien chier. Je suis assez déçu. Là. On n'a qu'à les mettre autour du bassin là, avec la créature. Si on allait ça là, en fait. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, le numéro déchiqueté. La peau jadis étincelante et décolorée et abîmée. Il résiste à peine, soulagé de trouver le feu. Barracuda sanguinaire. Il dévore tout à sa portée, refermant ses mâchoires et arrachant sa propre chair. Son corps est consumé par la haine. Voilà. Fun ici, le fun. Je vais passer le temps pour récupérer des crabes. Ça n'a pas l'air d'avoir mordu. Peut-être si on laisse passer encore quelques heures. On fait attraper. Ça réserve. Ok, go. Crabe bleu, c'est bon, on a. Pieuvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une langouste rouge. Quand elle est menacée, cette délicate créature peut... frotter ses longues antennes contre son corps afin de produire un crissement aigu. Le crabe coloré est doté de deux pinces aplaties qui font office de pagaie, ce qui lui permet de nager très efficacement. Oh! Incantaster pour. Avec ce nombreux bras épineux, cette étoile de mer est particulièrement résistante. C'est un nuisible qui n'a que peu de valeur à la vente. Est-ce qu'on en a besoin de ça?
Est-ce qu'on en a besoin quelque part, leur... Non, 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 on n'a pas besoin. Ok, du coup, nous on repart pour chercher, pour nourrir le mec. Et après on va vendre tout ce qu'on a. Puis je pense que ce sera la fin de notre épisode, ça paraît cool. Ah, il est là. Tiens ton crabe. Elle brise les pattes du crabe et se nourrit de leur chair. Les lèvres pleines de miettes de crabe, elle saisit un livre. Venez, nous attendons invocation. Ok, merci. Ah, on aurait pu avoir un autre livre. Pêche avancée. Ah là là, ça m'embête. Bon après, j'imagine que c'est pas vraiment des trucs... vraiment nécessaire, genre ça doit être genre on pêche plus vite, on fait des trucs comme ça, genre revente, achat 10%, c'est pas des choses on va dire nécessaires, mais c'est des choses, c'est bien de les avoir quoi. Ah là là, si j'avais su. Non, enfin, c'est pas bien. Pas revenir en arrière. On va aller vendre ce qu'on a récupéré. Goliath, un pélican, quelqu'un. Okay. Et qu'on aille récupérer le reste. Mais je me demande s'il reste indéfiniment les machins. Il va nous falloir de la place pour le gros truc. Là. Ouh, un trophée, crabe bleu trophée. On peut laisser les pièges ici, hein, je pense. Je crois. Ah. Ouais, faut voir. Ouais, ça va pas, pas grand chose. Nickel. Nickel, nickel. J'ai hâte d'utiliser cette lampe. Et trois cases, ouais, on pourra la mettre devant, j'espère. Pas marrant. Du coup. Bah du coup, on a bien avancé. On a bien avancé. Tiens, on a 3 points. Moteur, c'est quoi? C'est 5. Ah, bah attends. Ah, on peut débloquer ça. Abysse, grand fond et océan. Alors attends, si je mets abysse, grand fond et océan, donc du celui-là on pourrait l'enlever. Et genre pour la même taille, ça fera ça en fait. Ça fera abysse et grand fond. C'est bien 4, hein. Oui c'est ça. Ouais donc go ça. Nickel. Troïd des profondeurs. Oui ça c'est pas mal ça. Ouh ça c'est pas mal. Alors le ligne hydraulique on peut toujours l'acheter, donc on peut la vendre. Treuil des profondeurs. Treuil des profondeurs, on peut le mettre n'importe où. Attends, rembourser. J'ai même pas vu le prix. 675.
La ligne sans fond, on peut l'acheter n'importe où, n'importe quand, donc on la vend. Alors à la limite, ce qu'on peut faire, parce que là c'est un emplacement pour les les filets. Donc celui-là on peut le mettre ici, et les par-dessus on met abysse, grand fond et océan. Donc désinstaller, on va mettre ça comme ça. Ça c'est bien, c'est bien ce truc qu'on ait trouvé ça, c'est vraiment cool. Voilà. Rien qu'avec ça, on a abysse, grand fond, océan, côte, au fond. C'est nickel. Donc maintenant, on peut même remettre un filet si on veut. Bon, on n'est pas obligé, mais on peut. Ouais. Une puissance supplémentaire provenant d'un dispositif hydraulique fait de ce treuil un outil formidable pour sonder les profondeurs. Vous voulez manuel? Ok. Ouais, je voudrais bien... la prochaine fois, je voudrais bien... les requins spéciaux là pour avoir un objet spécial comme ça là, comme on avait récupéré avec la pierre là qui demande des requins. Si on la trouve pas, c'est pas trop grave, mais ouais, ça m'embête. On va bien le voir ce que ça donne en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On remet le... Je sais pas si ça vaut le coup en fait de remettre le filet. C'est vrai que ça prend de la place en fait. Ce notre filet, il est pas terrible en fait. Donc j'ai envie de dire à la limite Osef, on a qu'à... comme ça nous fera de la place en plus pour le moment. Bon, niveau quête, on va juste regarder une dernière fois. Donc niveau quête, on doit récupérer toujours les échantillons et les reliques. Pêcher des poissons rares, l'individu est décédé, ça m'embête. Ça va me frustrer. Aïe aïe aïe. Récupérer les échantillons, donc un baudroie et un dragagodé. Dragagodé, un berbe. Ok. Donc tout ça, ce sont des trucs... genre abysse au fond quoi. Ok. On fera le tour. Ce serait peut-être de pêcher la nuit en fait. Ou la journée. On verra. On fera du coup le tour ici. Bah je suis bien, on a bien avancé parce que du coup on a fini pas mal de trucs. Enfin on a fait pas mal de choses. Donc on va pouvoir finir ici. Je sais pas. Mais on fera le centre de recherche avec la femme, la vieille forteresse. On va continuer de pêcher. De toute façon, elle a dit que tout était ici, je crois bien. Donc faut qu'on continue à chercher. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.